pas avant qu'il te prenne balle là. Vous prenez. J'ai demi-chose ça, vous te font passer dans la zone là déjà. Là, vous te passez, vous prenez un petit bâtiment, vous prenez un cabrit, vous prenez un petit bâtiment, et puis après, vous débarrassez, vous te venez aller. Ok, nous te toujours venus dans la zone là toujours. Le 10 novembre, là, pour rien, nous font. Vous débarquez dans la zone là encore, en pile cartouche. Dans les bails, nous prenons un bête qui est dans la zone. Et puis, il y a un petit bruit en quantité dans la zone. Nous devons démarquer. Et puis, nous devons retourner encore au fond silence. 10 novembre, c'est là, ça me devine prendre balle. Et puis, dans sa frontière, il y a un petit bruit. Et puis, nous devons retourner dans la zone. Nous devons aussi faire une question de la paix. Et puis, nous devons venir dans la zone. Nous devons venir deux clans. Un clan Rabine, un clan de Tibois. Nous devons venir dans la zone. On a laissé à l'arrière de 10 novembre, on a pris un balle dans le pays pendant une table courue. Là, il était de la table courue, il montait mon côté où il y a la montagne. Puis pendant que nous avons pris un balle là, puis il a crasé. On est toujours là encore, on est retourné encore. Mais à cette fois-ci, on mettait nous dehors, on était au boulet quand nous. Tout ça nous possédait net. Combien de jours est-ce que vous avez développé ici là? Bon, nous, là, depuis dimanche passé en haut. Dimanche, il y a pour moi. Alors, il y a un ministre. M. Maniga qui a annoncé l'ouverture de l'école pour lundi 11 septembre à Boula. Comment on va ouvrir l'école en même? Ah bon, pour moi-même là, dans l'esprit de la population, on va faire l'école là. Parce que tout le monde dans la rue, tout le monde perdit des logements, vous perdez tout ça où vous êtes possédé, pour qui ça va le mettre à l'école là. Pas de l'école là. C'est l'état pour prendre chacun en main, et j'ai l'impression de notre pouvoir si l'école là, il t'a mis dans la mesure pour vous. Dis-nous, on va avoir un petit. On va avoir un petit. Il y a un peu de l'école. Écoutez madame. Il a non, comment on dit ça, Carolina. Chef de maçon. On dit que ça pour nous, pour pouvoir ouvrir cette école là. Du tout. Mais qui sont pas cette fait pour nous, pour que le ministère soit capable de récupérer l'ICA pour permettre qu'il fonctionne aujourd'hui. Bon, ça c'est pas fait pour nous. Le ministère lui-même, il continue à son capacité à notre pays là. C'est ce qu'on est, pour ma qui dans la rue, perdit tout ça au dégain. Lui-même, c'est pour le prendre responsabilité. Pour le retirer nous dans l'ICA, il faut d'être là, nous barrons, mais nous pouvons la faire, mais pour nous laisser et puis juste pour nous vivre, mais nous pour nous faire un petit commerce et puis pour nous de temps. Bon Dieu pour le dire pour nous, pour nous retourner côté intérieur, mais même là nous retourner, nous ne pouvons pas gagner l'argent pour nous reconstruire au boulet. Même là, si arrangement, nous ne pouvons pas gagner nous. C'est mettre boule maintenant, mais nous d'une place pour quitter l'espace là. Même laisser dans le pays, nous allons aller dans le temps dehors. Mais il faut gagner l'argent, même nous faire promesse. À nous deux temps qui n'a pas fait dehors avant que nous retournions côté de l'intérieur. Alors, ce qu'on a dit à son faveur avec le gouvernement, c'est que ça l'a dit. Comment? Si un message, on va demandé avec le gouvernement, c'est que ça l'a dit. Bon, ça me demande à gouvernement. On prend le problème pays, là, c'est ça qui délonge tout le monde en chaos. Pour nous, maman n'a pas de contrôle petit, papa n'a pas de contrôle petit, madame n'a pas de contrôle, monsieur n'a pas de contrôle, madame. C'est pour le gouvernement prendre sécurité au monde en charge, pour sécuriser nous, on va nous mettre en sécurité dans le pays, et puis juste pour régner la paix, pour calmer sa capacité. Parmi nous, c'est le forum d'avril pour le support par nous-mêmes. Et allez soir avec nous, nous devons nous faire besoin. Bon, moi-même, non pas monsieur Alexandre Delbert. Numéro de téléphone, moi, c'est 31 14 23 76. Et quoi le numéro encore? 31 14 23 76. Rappelez-moi le numéro. Alexandre Delbert. Quel âge? 58 ans. C'est qui ça dégonne ça comme activité? Bon, moi, c'est comme la femme de contre business, moi, puis de contre les bains, moi, en plan, moi, j'ai racheté une nouvelle. Voici. Comment ça a été? Nous avons une situation pas facile pour dériver là, ensemble avec la machine. Comment ça a été?
Je suis venu à la maison. Après ça, Mais si toutefois le ministre n'a pas forcé nous pour quitter l'espace là, qui côté nous voilà? Deux jours avant l'école, qui ça a dit nous par rapport que nous dans l'espace là? Nous avons les deux à faire l'école avec nous. L'autorité qui est les jeunes, nous. Ministre des élèves qui est un comité de suivi par rapport à ça. Nous avons un comité ça. Est-ce que ça n'a pas un comité tout? Oui, ça n'a pas un comité. Nous ne pouvons pas faire part de ça ensemble avec nous. Donc je dis à ceux qui sont demandés même. Et mais ça m'a demandé sécurité pour zone moi côté me rester et puis pour me gommer dev non mais moi pour mon côté pour me rester d'ailleurs me pas travailler encore, me pas arrêter dans la rue. Me pas arrêter dans la rue. C'est ça m'a demandé l'état haïtien. Bon moment dev pour me vivre pas des petits business mon liberté. Liberté bon mon petit bagage pour me faire de quoi pour me capable vivre et bon côté pour me pourer tête moi pour me rester parce que me pas travailler encore. Alors quand tu es pour balle là puis fonctionne à pied normal? Oui, on fonctionne à pied parce que balle là pas traité. Balle là c'est passé flotter. Donc il pas ralenti sur jour de compte marché? Oui, il ralenti sur jour de compte marché. Si tout déjà malade. Donc c'est là c'est un coup il a on pas quand. On pleure courir puis redit? Oui, m'a pleure courir puis redit parce que m'pas quand. M'pas quand. Au contraire, mais même ces possibilités, je ne peux pas faire de thérapie à Pointe. Si je n'ai pas de possibilité de faire de thérapie, parce que Pointe a une vie là-dedans, ces possibilités, je ne peux pas faire de thérapie. Mais si je ne peux pas faire de thérapie, je ne peux pas faire de thérapie. D'accord.
la presse qui est présente avec nous matin là, dans la conférence de presse que nous organisons ici là dans le gymnase de Maison. Mais juste avant, nous commençons à parler vraiment du sujet de conférence là. Nous avons songé avec une monde qui est un patrimoine national, qui est Gary Victor, que je ne veux dire qui perd du calme. Au moment où Gary Victor, nous connaissons qui ça nous présente dans la société, qui perd du calme, son mari, vraiment grave. Et ce n'est pas seulement Gary Victor, il y a un peu de monde qui connaît le carrefour qui perd du calme. Si nous prenons un monde qui fait un peu d'estime, je ne veux dire, c'est un jeune effectivement qui prend bien pas, qui perd du calme tout dans ce char. Donc son bagage qui est vraiment vraiment compliqué. Si nous considérons également nous avons des jeunes artistes qui sont Maudvin Derival, Vinny Jodia qui dehors. Nous avons des musiques que nous interprétons de Bito Vaova, Vinny Jodia qui est un peu news sur Internet là, qui est très viral. Donc Jodia n'a pas adressé nous au vrai patron de l'État. Parce que nous constatons effectivement que nous avons une camisole de sécurité. Tout ça nous fait dans le carrefour, tout ça nous fait dans Port-au-Prince, pour nous sortir dans l'insécurité, nous voyons ces nades marinades, en rien, pas de fait. Ça fait notre adresse nous au vrai patron de l'État. Nous ne pouvons pas qui est sûr. Nous avons juste fait adresse. Nous disons, comme j'ai entendu dire, il suffit le battement d'ailes de noises au Japon pour provoquer une tornade aux États-Unis. C'est pour montrer que le monde est interrelié. Quel que soit le monde qui a provoqué, ou du moins qui a marginalisé l'insécurité dans la zone pour être capable de satisfaire l'intérêt personnel, c'est un grand danger lié pour tout le monde. En considérant l'insécurité à l'aide de commencer dans la zone Savane Pistache le 10 novembre dernier, personne ne va pas passer avec rien. Même le monde qui était en bas à Foufeuille, il va passer avec rien. Je vous le dis, nous constatons que beaucoup de côtés arrivent. Toutes les notes lancées, les cris d'alarme, personne ne va pas traiter. Donc je ne veux dire, nous voyons, c'est juste marché Salomon, monde obligé à déménager. C'est juste Bora du Caraïbe, monde obligé à déménager. Ça fait n'a dit, cette question de sécurité, on nous suspend marginaliser. On nous fait tout effort pour nous, si nous sommes capables de résoudre le problème. Ça. Dans un premier temps, nous songez, nous avons des centres d'hébergement qui étaient dans zone dans le lycée Carrefour, nous avons qui étaient dans des églises dans la zone. Nous avons des centres d'hébergement qui étaient dans une plage Jérémy, nous rappelons, Eldorado. Nous rappelons nous avons gagné dans Tertune et Leclerc et dans notre endroit tout dans le bloc par Jérémy. Je ne veux dire, sans dévergement ça y est, il est distant. Raison, c'est parce que M. Arméo est venu prendre plus de territoire, nous n'avons pas arrêté dans le dévergement. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que vient une concentration de centres d'hébergement dans le temps capital. Notamment dans la zone Ricapois et quartier et Bourgogneuil. Lycée Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, nous avons lycée Firmé et Latine, gymnasium Bessin. Toutes ces centres d'hébergement. Et qui ont un centre d'hébergement qui nous vraiment prend à cœur, qui c'est et l'Exéa. Nous avons saisi comment le monde a vécu dans l'Exéa. L'Exéa nous connaît que le tremblement de terre de janvier était frappé, qui vraiment, vraiment représente un danger pour la population. Aujourd'hui, nous avons plus que 5000 personnes qui ont dormi dans l'Exéa. Nous invitons tous les journalistes. Nous invitons la presse à regarder, à fournir, à regarder pour nous voir qui ça l'État haïtien mettez moun Kafoufè, moun Bayezo, moun Kouchard, à regarder pour nous voir, fournir, à regarder pour nous voir qui ça et mettez moun Kafoufè. Nous avons invité le ministre de l'Éducation nationale là, pour les capables de fournir, à regarder dans l'école l'État pour nous regarder pour nous voir est-ce que effectivement vrai. Ni possible pour l'école d'Aloubine. Et puis lui-même l'a fait déduction. Par exemple, dans les jeunes filles, il y a plus que 1500 personnes qui vivent là. Nous ne disons pas les gens qui ont là, nous disons les gens qui vivent là. Lycée Marie-Jeanne, c'est pareil. Lycée Firmé, c'est pareil. Donc, nous demandons des ministres, viens faire visite, ne mettez pas hypocrisie. Viens faire visite d'hypocrisie. Dans le lycée, ça, dans l'école de l'État, ça, pour voir effectivement si l'école là est possible. Parce que si nous regardons beaucoup de nous là, nous avons des gens. Est-ce que si vous avez fait tout, vous n'avez pas le droit pour aller à l'école? Si nous parlons de reverse de classe, est-ce que nous allons gagner une reverse de classe à plusieurs niveaux, à plusieurs vitesses? Donc, nous avons des ministres pour le ressaisir, pour lui prendre en considération, parce que, comme vous avez toujours dit, il y a toujours un moyen. Mais le seul moyen qui gagne pour l'école là, ouvrir n'importe quoi, c'est pour que nous avons fait de retourner à la caille. Nous ne c'est pas ça qui est intéressé, nous avons fait. Ce n'est pas question de mal manger, ce n'est pas question de l'autre bagage pour le suivre. Mon carrefour n'est pas jamais une pratique sur la caille. Mon carrefour n'est pas quoi dans la mendicité. Mon carrefour n'est pas quoi dans le travail. Il y a quoi dans des initiatives économiques. Ça fait
si vous avez ouvert la voie, jeunes, c'est à faire, vous faites motocyclette. Bien que vous avez dégagé, vous êtes capable. Ou bien c'est premier nous, besoin premier nous, c'est pour nous retourner la caille. Donc cette question de l'école où vous, le cabinet, nous dit que ce vraiment pas possible. Nous avons tout annoncé par rapport à l'ampleur. Crise humanitaire ça gagne en Cameroun, n'a pas tout profité faire une annonce, n'a pas tout profité faire un appel à monde qui dans zone environnante, notamment monde qui dans zone Paco, monde qui dans zone Debussy, monde qui dans zone canapé vert pour yo venir porter solidarité yo ensemble avec nous dans une collecte de dons en nature que nous avons fait dimanche qui venir là devant local Radio Caraïbes. Nous bien dit une collecte de dons en nature, nous ne prenons pas don en espèces. Quel que soit le monde, même si vous êtes à l'étranger, vous avez fait un don. Ok? Donc contactez vos amis, contactez vos femmes qui sont ici, ou à Wessa Abel, lui-même, il est capable de porter ça la protéine pour nous devant la Caraïbes dimanche qui vient là. Parce que besoin en pile. Notamment, la question sanitaire, besoin en pile, nous connaissons kit hygiénique et périssable dans le domaine sanitaire. Et bah, voilà, donc c'est ça que fait, nous avons des moyens pour être capables de porter aide pour nous sur ce point. Et parlant de cet hébergement, nous avons un qui vient en ligne de compte, c'est la promiscuité. Depuis que nous vivons dans la promiscuité, c'est vraiment, vraiment favorable pour venir des maladies qui développent. C'est ça que fait nous avec nous, matin là, amis nous, camarades nous. Et Kelly qui va parler nous un peu de risques qui gagnent dans le centre d'hébergement pour maladies propagées là-dedans et même affecter tout autre place. N'a pas des amis.